eigenlijk gedomineerd door de wijnstokken Cabernet Franc en Chenin Blanc. Je vindt er ook wat Cabernet Sauvignon, een klein beetje Chardonnay. En er worden prachtige dingen gemaakt, helemaal op dit domein, Domaine des Bleus. Het wordt geleid door Ines Racco, een jonge dame, en haar associé die je op het filmpje zo ziet. Dus ja, een domein geleid en helemaal geredigeerd door twee dames. Dat is een vrouwelijke hand, een vrouwelijke touch in de wijnen. En dat merk je aan alle kanten. Ja. Ik zit naast Ines Racco, de propriétaire van dit jolie domaine. Domaine des Bleus. Domaine des Bleus. We drinken een glaasje van haar onovertroffen crème. Het is een méthode champenoise, méthode traditionnelle. Méthode traditionnelle. Dus twee keer vergist op fles met 20% Chardonnay, 80% Chenin Blanc. Heerlijk, mooi, zacht. La finesse d'Inès, hè? La finesse d'Inès, exactement. Parce que la bulle, elle est très, très fine. Oui, très bon, hein. Ouais. Bah, ça, alors, la différence, déjà, le crémant, on doit absolument le récolter à la main. C'est une obligation. Oké. Okay. Oh, leuk om te weten, een nieuwtje, mensen. Je hebt hier Saumur Brut en je hebt crémant de la Loire. En crémant moet met de hand geoogst worden, de druif moet met de hand geoogst worden en saumur mag machinaal geoogst worden. Voor de oogst 2018, 2018, oui. Zes que ça va donner, wat gaat dat doen? Ah, si on passe à travers la grêle, parce qu'en ce moment c'est beaucoup des grands pics de chaleur. Et puis après beaucoup d'orage, donc pour l'instant, touche du bois. Voor het moment, het is 2 juli dat ik hier ben, 2018. On passe à travers, parce que l'année dernière, on a perdu 60% de la récolte. Voilà, donc cette année devrait être de toute façon que mieux que l'année dernière. Ja. Dit jaar heel bang voor hagel, want het is zeer orageux, zoals ze dat hier zeggen. En dan begint ook de Tour de France, ça commence ici dans la région. La semaine prochaine, la Tour de France, les cyclistes. Le Tour de France, ça commence à Noirmoutier, ouais, le départ Noirmoutier. De Noirmoutier, ouais. C'est pas très loin, c'est pas très loin, on mange des huîtres. Exactement, avec ça, c'est parfait pour l'apéritif. Au Tour de France. Tour de France. Vous suivez? Toujours un petit peu, j'essaie de faire.